Aujourd'hui, les sites internet proposent une multitude de stages de survie. Loin d'être un phénomène récent, ce concept s'est développé dès les années 80. Et hier, comme aujourd'hui, même combat, ne pas mourir de faim. Une source de tension pour ces stagiaires affamés en 1986. Le ravitaillement ne vient pas. Et s'il ne vient jamais, vous croyez qu'actuellement, vous allez vous nourrir de 4 fraises ? Absolument ! Mais survie, absolument. C'est l'autonomie qui est venu faire quoi ? Un stage de survie ou une colonie de vacances ? Je suis venu faire un stage de survie. Se repérer, construire un abri, faire un feu, ok. Mais comment se remplir l'estomac ? Il faut beaucoup marcher et beaucoup cueillir. Mais attention, tout n'est pas comestible. Il faut repérer les bonnes plantes. Il y en a partout, à portée de main. Mais lesquelles choisir ? Accompagnés d'un moniteur en 1984, ces stagiaires découvraient les attraits du caprier. Passez-le un petit peu et sentez ça, c'est fantastique. C'est chouette. Ouh, ça a une drôle d'odeur, qu'est-ce qu'ils font les chats ? C'est un peu plus rêche, tu vois. Et puis ça n'a pas du tout le même goût. Hein. Goûtez à une odeur, goûtez les sons, les orties, c'est encore mieux. L'allié du stagiaire en 1989, comme aujourd'hui, c'était l'ortie. Au menu de ses ados, soupe de neige fondue, ortie et pissenlit. Et c'est bon ? Fade, ça n'a pas un goût, c'est mangeable. Quand on a faim, on mange. Plein de ressources, nos ados vont pourtant trouver une solution plus rassasiante avec la pêche à la truite et à main nue. Démonstration. J'aime bon quand même. Et si vous préférez une bonne viande, vous pouvez également vous offrir quelques extras protéiques plutôt insolites. Ben, c'est les rats, c'est les souris, c'est tous ces petits trucs-là qui peuvent facilement se manger. Manger des rats et des souris ? Non, ça non. Ok, pas de rats. Mais que diriez-vous d'un bon civet de lapin ? Oui, mais pour cela, il va falloir tuer. Attention, âme sensible, s'abstenir. Et voilà, un dernier spasme, c'est terminé. Vous l'aurez compris, adopter le régime Robinson n'est pas si simple. Mais n'ayez crainte, en stage, on ne vous laissera jamais mourir de faim.